peut repartir par Chazidier, par Massenet. Massenet qui a voulu alerter sur l'aile droite, c'est contré. Et attention, Van der Kulen. Très rapide, Van der Kulen. Jean-Michel Larquet. Et c'est Van der Kulen là-bas qui attaque du côté gauche. Non, Van der Kulen est en position d'avancement en même temps. Attention, un dégagement de la tête, oui. Une extrémie de Vatnet, toujours la balle. Vancré, non, finalement, c'est par Van der Kulen. Van der Kulen, tête de Piazza, belle contre 0 à Saint-Etienne. Attention, à la tête d'Estrom, là, c'était Van der Kulen qui était là. Pas marqué, obtenir des corners, n'est pas prendre l'avantage, mais tout de même, c'est dangereux. Attention à ce corner, Kurkovic est sorti, mais l'arbitre, tiré par Van der Kulen. Dégagement de la tête de Piazza. Oh, un tir de vraiment très loin. Ils tiennent bien, ils tiennent, et même ils arrivent à attaquer quelques fois. Bien sûr, ils sont dominés, c'est normal. Car ils devaient à un but de retard. Van der Kulen. Ils n'utilisent pas la domination, n'acceptent pas la domination des Néerlandais. Et le terrain, c'est Van der Kulen, le numéro 11, le meilleur buteur de l'équipe. Le deuxième est un Patrick Revelli. Et la balle à Van der Kulen pour Deiker. Après 34 minutes de jeu, ils sont toujours 0 à 0 malgré les attaques incessantes des Néerlandais. Ici c'est Loupé qui a donné pour Van der Kulen. Attention, il a un gauche terrible d'assez loin, de 30 mètres. Il a été contré là. Il passe. Trois Stéphanois. Attention à Van der Kulen qui a essayé d'armer son pied gauche. Et un tir. Attention à la limite du hors-jeu, Van der Kulen, mais l'arbitre l'avait signalé. Coup à l'estomac. Mais il rentre en jeu. Rien de grave. Van der Kulen. Van der Kulen essaie de trouver là-bas Estrom, qui filait à toutes jambes. Ils sont créés 3 ou 4 occasions. Voilà, c'est René Van de Kerkhove qui le tire. Oh là là, encore une fois. Les joueurs d'Eindhoven sont vraiment très forts de la tête, que ce soit loupé très loin là-bas pour René Van de Kerkhove, son frère. Il y a deux frères dans chaque camp, les Revelli et les Van de Kerkhove. Van der Kulen. Van der Kulen ne contrôle pas la balle. Et voilà, une très belle intervention de Lopez.